quand je viens là-bas, puis on fait un travail comme Winter, puis on travaille comme Valérie Deschamps, puis on travaille comme les autres manies. Parce que je suis très occupé. Parce que l'hôtel est converti comme un la salle, comme un sentier de construction. Or, pour nous, idéalement, c'est travailler tout dans sa case, et je viens ajouter la paix. Ils ont dit non, c'est pas ça. C'est qu'ils vont travailler, puis viennent dans l'hôtel, je paierai sans rien faire, je paierai sans bas, en bas une attente, et ils ont dit l'attente n'est plus existée, et là. Et dans mon, comment ça s'appelle, mon meuble qui est en bas de la tente là, mon travailleur peut bien rester dans mon coin, en bas de mon pied, la coquille, en bas de tout buisson, et aussi des autres mêmes places, pour être capable de casser là, pour casser le soleil, pour casser la pluie, et fraîcheur. Et nous, donc, ça n'est pas humain. Et bien sûr, nous, pour nous, ce qui nous permet de faire une revendication auprès de l'hôtel, à ce que tout le travailleur bien traité, respecté, je le contrat. Qui existait entre l'hôtel et ma travailleur et de ça l'hôtel. Ben, pour nous, nous pouvons considérer que, comment dire, aujourd'hui, l'État nous est en bas d'attente, nous trouvons qu'il y a un meuble qui reste dans la tente là. Et pour nous, nous pouvons considérer que, comment dire, patron peut considérer travailleur, moi, est-ce qu'il y a un meuble? Moi, même il y a valeur, mais travailleur, il n'y a aucune valeur. Et pour nous, ce n'est pas normal du tout. Et pour nous, nous pouvons annoncer aujourd'hui. La situation, il pousse la FTU et aussi l'Organisation Hotel and Catering Workers Unity voilà, dans une direction pareille, veut dire, nous devons faire une protestation, une marche de protestation un samedi le 9 à partir 9h30 le matin, qui nous pour commencer devant le musée de Maribou, nous pour procéder directement dans la rue Route Royale, nous allons dans l'impasse, la passe street qui trouve à côté de bus, de la station bus, et nous allons terminer lors Maribou Waterfront. Et veut dire, nous pouvons lancer une invitation à tous les travailleurs, qui est l'hôtel, qui est les autres secteurs du privé, public et tout. Nous descendons la marche de protestation là parce que pour nous, il n'est pas normal qu'ils ont dit quand l'hôtel passe dans une période de rénovation, il n'y a aucune législation qui existait et pour capable de travailler avec une condition humaine quand il y a une rénovation de l'hôtel.